Nous bénissons dans le nom du Seigneur Yahushua Mashiach depuis la Côte d'Ivoire. Depuis hier, nos enfants de la rue sont rentrés dans leur maison et on en a accueilli près de 19 qui sont arrivés hier. Et on a nos frères Anderson et Ulrich qui sont avec eux depuis hier. Comment ça se passe? On est en direct. Le Seigneur, bon, bénis le Seigneur pour ce qu'il permet encore. Pour moi, c'est vraiment magnifique. Ça ne vient pas à ça, mais le Seigneur a fait grâce pour tout ce qu'il a permis, les enfants, avec la population, avec les coups. Ils ont compris ce que l'on faisait, ce n'était pas pour nous-mêmes seulement, mais pour eux-mêmes aussi et pour le Seigneur. Amen. Et vraiment, ils nous ont compris. Comme le conseil qu'on vous avait laissé, à partir de 22 heures qu'il doit donner, voilà. On a eu à discuter, on a échangé, et ils ont compris. Voilà. Ils ont compris, et à partir de 22 heures, ils étaient tous au lit. Shalom à tous. Donc, ils sont allés au lit à 22 heures, comme prévu. 22 heures. Amen. Donc, et on a eu des bons retours, hein. Ils ont été sages, quand même, ils écoutent. Les conseils, et on voit que le Seigneur est à l'œuvre. Donc là, mes bien-aimés, nous sommes en Côte d'Ivoire, dans la maison des enfants qu'on a sortis de la rue et qui sont maintenant chez eux. Donc il y a une très belle cour, je vais vous montrer. Voilà, très très belle cour. Donc là, ils peuvent jouer au foot, ils jouent de temps en temps. Donc aujourd'hui, là, c'est l'heure de la sortie. Donc je vais en profiter pour vous faire visiter un peu leur installation, comment ils sont installés. Par la grâce du Seigneur Yahushua Mashiach, on se rend compte que l'évangile est vrai. Le Seigneur a pourvu jusqu'au dernier centime. Je vous assure, mes bien-aimés, c'est étonnant. Donc ça, c'est la cuisine. On a reçu un frigo d'un couple qui a fait le don. On a reçu une bouteille de gaz, tout ce qu'on a ici, même les céréales, tout ça, ce sont les dons des frères et sœurs, et ça a été très utile. Donc les enfants disaient ce matin, nous avons mangé des céréales comme des enfants de ce qu'on dit, on dit ici en Côte d'Ivoire, les chocos, comme des enfants de personnes aisées. Donc voilà, ils sont dans la joie. Donc voilà, voilà comment ils sont installés. Donc certains ont des lits superposés. Donc il y en a un qui dort, qui était fatigué, qui préfère dormir parce que c'est l'heure de la sortie. On ira ensemble jusqu'à l'espace à pied avec eux. Donc voilà, chaque enfant a son lit et il y a plusieurs chambres qui ont des thèmes. Donc cette chambre a un thème. Donc voilà, on a reçu les matelas. Merci pour la mobilisation des frères et sœurs. Et on se rend compte que cette œuvre est merveilleuse. Donc je vais vous présenter un peu rapidement les locaux. Donc ici, c'est la chambre des surveillants. Voilà, les personnes qui travaillent dans le centre et qui vont faire des... surveiller les enfants avec, je pense, aussi quelques enfants qui vont les plus grands, qui vont les aider aussi dans l'éducation, l'accompagnement. On a, par grâce du Seigneur, trouvé deux éducatrices spécialisées, donc des éducatrices dont c'est le métier, qui vont commencer le travail dès ce lundi, le travail pédagogique, le projet pédagogique pour chacun d'eux. Donc il y en a qui veulent faire du foot, d'autres du basket, d'autres veulent reprendre l'école, apprendre un métier, être architecte, médecin. Donc voilà. Donc les chambres, ce sont des chambres à thème. Donc ici, je sais pas si on va pouvoir les visiter parce que ils ont la clé de leur chambre. Donc des fois, voilà, ils ont fermé, comme c'est la sortie. Voilà, y a une chambre ici qui est ouverte. Voilà comment nos enfants sont installés. Donc, bien aimés,
Merci à tous pour votre mobilisation. Et je vous assure, on commence à partager la parole, prier avec eux. Et c'est beau. C'est beau ce que le Seigneur fait. Donc voilà la vue sur la cour. Il y a un petit balcon. On bénit le Seigneur. Donc j'en profite en même temps pour vous partager un peu les réalités de ce travail. Donc avant de leur intégration, on a dû faire des examens médicaux à tous les enfants, une vingtaine, et on s'est rendu compte que certains étaient en très bonne santé, la plupart, mais d'autres avaient besoin de soins urgents avec plusieurs cas. Malheureusement, nous avons détecté quelques cas de VIH, quelques cas d'hépatite avancée, pour lesquels on est en train de s'organiser, se mobiliser pour les prendre en charge rapidement. On a aussi des cas d'opérations urgentes à réaliser, des plaies insistantes. Donc c'est tout un travail avec l'Évangile et les enfants se rendent compte, ils nous disent non, vous avez tenu votre parole et là, nous on va pas vous laisser. On va aller jusqu'au bout, on va suivre le Seigneur jusqu'au bout. Ils sont déterminés. Et on bénit le Seigneur pour ça. Donc là, on va faire le trajet ensemble. Je ne sais pas si... voilà. N'hésitez pas à commenter sur le chat si vous avez des questions. C'est une œuvre magnifique. Donc... Ah, bah, il y a Samuel qui est là. Nous sommes en direct, il y a les frères et sœurs qui sont... Donc toi, tu n'es pas allé te coucher dans ta chambre? Tu voulais juste t'allonger un peu? Bah, on va aller ensemble, non? À la villa, tu veux pas m'accompagner? Comme ça, tu vas expliquer un peu comment ça s'est passé aux frères et sœurs. Donc tu dis comment tu t'appelles? Je m'appelle Bonif Régis. Régis, ok. Donc, tu viens avec moi, non? Voilà, on va aller en bas où ils sont, là. On va ensemble, mais toi, tu es arrivé quand, ici? Hier? Avec tout le monde. Comment ça se passe dans la maison? En tout cas, c'est bien facile. On ne comprenait pas. On nous expliquait un peu. On comprend. Maintenant. Tu arrives à... Comment vous êtes organisé pour le nettoyage le matin? Le matin, on y en fait par groupe, genre chambre. Vous-même, vous avez décidé d'avoir plusieurs groupes? Oui. Chaque chambre, c'est un groupe. Oui. Et donc, aujourd'hui, par exemple, qui fait le ménage, qui a fait le balayage, tout ça, c'est aujourd'hui, quel groupe? C'est chez nous. C'est chez vous. Oui. C'est votre groupe qui est en charge du ménage. Et demain, c'est un autre groupe. Oui. Waouh. Et vous avez prié ce matin? Oui, on a prié ce matin. Ok. Voilà. Donc, Frégis, viens avec moi. On va aller ensemble. Donc, bien aimé. Voilà. C'est très encourageant. Donc, Frégis, est-ce que tu veux retourner dans la rue? Non, je ne veux plus retourner dans la rue. Tu veux plus? Là, tu es à l'aise, là. Oui. Voilà. Donc, certains bien-aimés se sont activés. Mes frères et sœurs pour faire le ménage parce que la maison était encore un peu en travaux et on a tout fini. Il y a eu une équipe qui s'est mobilisée pour faire le nettoyage toute la nuit et on a pris en charge aussi les cas médicaux, tout ça. C'est un travail énorme qui se fait par la grâce du Seigneur. On va aller ensemble. Tu veux dire quelque chose? On est en direct. Non? Bah viens, on va descendre. Donc on a reçu deux missionnaires. Tata Rafika, notre sœur Rafika et Noémie qui est partie. Donc Tata Rafika. Shalom à tous. Comment tu vas? Je vais très bien par la grâce du Seigneur. Amen. Donc on est en direct avec les frères et sœurs. Tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé, le travail ici? Ouais, c'était vraiment très très intense.
On a rencontré beaucoup, mais énormément, beaucoup d'opposition. Mais le Seigneur s'est toujours glorifié. On a toujours vu sa main puissante et son secours à chaque instant. Et je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui, on voit la transformation des enfants. Et ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'ils saisissent très, très, très rapidement. Et je rends gloire au Seigneur pour tout ce qu'il fait. On a eu beaucoup à échanger, beaucoup à partager. Ils nous ont parlé sur leurs conditions de vie, sur ce qu'ils peuvent vivre au niveau de la rue, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. C'est vraiment très, très difficile pour un enfant de se retrouver dans la rue. Ils sont vraiment livrés à eux-mêmes, sans repère, et puis ils essayent de se débrouiller comme ils peuvent. Donc il y en a qui vont... ils vont mendier, d'autres ils vont vendre des mouchoirs, d'autres volent. Et ils se retrouvent en fait dans toutes sortes de vices et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et si ce n'est pas le Seigneur qui leur tend la main pour sortir de là, bah, effectivement, ces enfants demeurent et restent dans la rue. Et aujourd'hui, bah, on voit vraiment la main du Seigneur, le secours du Seigneur, et on bénit le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Amen. Donc il y en a quelques-uns là qui nous attendent pour la sortie. Donc, nous sommes en Côte d'Ivoire. Hein, j'ai vu quelqu'un poser sur le chat en Côte d'Ivoire. Donc là, c'est la maison qu'on a louée là, la clôture de l'extérieur. Voilà. Donc c'est là où les enfants vivent. Il y a un très grand jardin. Par grâce du Seigneur, ils sont sortis de la rue depuis hier. Et on va aller ensemble avec eux à l'espace, au deuxième espace, qui va servir un peu pour l'instant de centre aéré où ils vont aller se balader un peu. Et puis dès lundi, nous avons des éducatrices spécialisées. Donc vous allez voir un peu le coin. Hein. Bonjour les enfants. Nous sommes en direct. Donc vous allez dire deux mots quand même pour saluer les frères et sœurs qui veulent prendre de vos nouvelles. Comment vous allez? Ils veulent être sûrs que vous êtes en bonne santé. Nous allons bien. On vit bien. Nous sommes en joie. En joie, hein? Hein, Evra? Qu'est-ce que tu as à dire? Ça va? Donc la rue, vous êtes sorti de la rue. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai? Tu confirmes? Donc là, vous avez votre maison maintenant. Amen. Grâce à qui? À Yeshua. Amen. Amen. Donc on va aller ensemble. On va aller ensemble. On va. Ouais. Donc ça c'est le quartier dans lequel les enfants vivent. Donc c'est la première maison, c'est cette maison là qui fait l'angle. Très grand jardin. Et donc on va aller ensemble. Si vous. Donc comme je vous disais, il y a pour ceux qui nous ont rejoints. Depuis hier, les enfants ont intégré la maison qu'on a pris pour eux. La plupart sont allés en bas, là, à l'espace, parce que c'est l'heure de la sortie. Mais chacun est rentré dans sa chambre, chacun a sa chambre. Ils se sont organisés pour avoir des roulements au niveau du ménage. Donc il y en a qui vont faire le ménage de la maison aujourd'hui, l'entretien aujourd'hui, d'autres demain. Ils se sont auto-organisés eux-mêmes et ils sont très attentifs à la parole et ils boivent la parole vraiment, c'est très encourageant. Et nous revenons vers vous. Attends, je vais te laisser un peu direct. Ouais, je vais un peu les... Donc nous avons terminé pour ce moment. Nous accompagnons les enfants à la villa pour un temps d'activité avec eux. On est maintenant à l'espace qu'on a loué, qu'on a acheté d'ailleurs, pour en faire un centre, un restaurant et un centre aussi où les enfants vont venir de temps en temps. Voilà, donc nous sommes en Côte d'Ivoire à Songon, ici plus précisément dans le village de Godoumé, à Songon dans le village de Godoumé. Donc on reprend le direct, nous avions coupé le direct temporairement pour nous rendre à l'endroit qui se retrouve à 10 minutes à pied
de là où les enfants vivent. Et nous sommes à Godoumé. Donc ici, on va avoir l'occasion d'avoir, de faire un restaurant, par la grâce du Seigneur, et aussi d'avoir des activités avec les enfants. Donc on est en train de mettre tout ça en place. Je suis très heureux d'être là. Donc, dis-nous un peu, Désiré. Donc Désiré, c'est un de nos enfants, je vais juste vous le montrer rapidement. Voilà, Désiré. Donc tu es sorti de la rue aussi. Voilà. Donc Désiré va nous expliquer où est-ce que tu as pris ton baptême. Dis-nous un peu. Shalom, shalom tout le monde. Donc tu as pris ton baptême ici. Oui. Donc explique-moi comment ça s'est passé. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre ton baptême? C'est peinant. Il a réfléchi quand il a entendu, tu m'as dit que là, si Moda venait dans le centre, là, de laisser tous les comportements qu'il a fait dans la rue là. Ce qu'il faisait qui n'était pas bon, fumer la drogue, fumer la cigarette, tout, il laissait dans la rue. Mm-hmm. Donc là, quand on est arrivé ici là, il me s'est assis moi seul, il a réfléchi quand il dit là, si arrête là, il doit pour mon baptême. Donc là, j'étais assis, puis il y a un esprit qui m'a dit que là, depuis mon baptême, donc, là, moi un jour là, je suis sûr qu'il est devenu quelqu'un. Amen. Puis là, il me suis levé, il a appelé un de la tonton ici, on est parti. Et je lui ai dit que je suis prêt, que j'ai fait mon baptême. Il m'a pris, il m'a plongé dans l'eau. Depuis qu'on est ressorti, il me suis sorti soulagé, j'étais à l'aise. Maintenant que je ne faisais plus les trucs qu'il faisait avant, là, je suis content, je suis bien. Dans la... Je vais les remercier pour ce qu'ils ont fait pour nous. Que la grâce à eux, moi, je suis en paix. Amen. Je voulais le dire. Et c'est pas fini, le Seigneur n'a pas fini, c'est juste le début. Amen. Amen. Donc là, on est arrivé à l'espace, comme on nous disait, on va vous présenter un peu. Donc c'est à 10 minutes à pied de là où les enfants sont. Et il y a eu déjà plus de 2 réunions ici avec les enfants. Des réunions de prière, des réunions de réveil. Shalom, shalom à tous les frères. Donc, nous sommes arrivés à l'espace, comme j'expliquais. Donc c'est cet espace qu'on a pris aussi par grâce du Seigneur. Donc pour l'instant, comme il n'est pas encore utilisé, il y a des enfants du village qui viennent de temps en temps jouer là. Mais tout cet espace a été pris. Donc pris pour nous, pour l'œuvre qu'on fait. Et on va y loger un restaurant, donc on a des bungalows qu'on pourra renforcer ou construire. On a plusieurs enfants qui nécessitent des soins particuliers, donc on va aussi voir pour aménager ici un hébergement pour ces enfants-là. Voilà, donc c'est au bord de la lagune. Donc ça c'est la lagune là. Il y a beaucoup de vent et c'est tout cet espace. Il y a un hamac, il y a quelques hamacs, il y a des arbres. Ici, on a cette bâtisse dans laquelle on va probablement faire un restaurant. Donc voilà. Je vais juste vous montrer un peu les enfants qui sont là. Ils ont pris des noix de coco. Donc les enfants, nous sommes en direct avec les frères qui sont restés là-bas. Qu'est-ce que vous avez cueilli quoi là? Explique-nous un peu. Nous avons cueilli du coco. Du coco, hein? Sur les arbres là? Ok. Donc là, vous buvez l'eau du coco, le cocotier là. C'est bon? C'est bon, hein? Qui est monté là? David, c'est toi qui es monté. Il a appris à monter sur les arbres comme ça. Salut là. Salut. Ok. D'accord. Donc l'espace est bien. C'est bien. Ok. Donc aujourd'hui, c'est un jour. Écoutez les enfants. Écoutez, nous sommes en direct.
Donc aujourd'hui, c'est le jour où vous êtes sorti de la... C'est votre première nuit dans la maison, c'est ça? Comment s'est passée la nuit? Les frères me posent la question. Comment s'est passée la nuit? Bien, on a bien dormi. Vous avez bien dormi? On est arrivé en bonne santé. Waouh! Tout le monde était content? Oui. Il n'y a pas eu de palabres dans la nuit? Non? Oui, on a fait. Donc, vous avez vu la différence avec la rue, hein? Hein? Oui. Il y a une différence? Oui, il y a une différence. Une grande différence? Oui. Pourquoi? Explique-nous un peu. Non, la pomme, il y a les pommes, c'est la pomme, les chats. C'est la rue, attends, c'est la rue. Quand il n'y a pas tout ça. Genre, on s'entretient, quoi. Et là, vous vous êtes lavé. Waouh, ok, c'est bien. C'est propre. Donc, parfait. Coucou. Donc, voilà. On est. Donc, il y en a qui sont en train de. Voilà. Se balancer sur. Sur le lac. Voilà. Donc, on bénit le Seigneur. On voit vraiment, et nous, ce qui nous surprend surtout, c'est la rapidité avec laquelle le Seigneur a transformé certains. Et vraiment, on voit le Seigneur à l'œuvre. Mais on voit aussi le travail d'éducation qu'il y a à faire. Donc comme je disais, on a pu par la grâce du Seigneur trouver des éducatrices spécialisées qui vont nous aider à prendre soin de ces enfants, donc à mettre pédagogique. Et on va commencer l'école à la maison pour les remettre à niveau et identifier ceux qui ont le potentiel d'intégrer des classes normales. Donc, plus on avance, plus on voit que la vision se précise et le travail se précise. Donc voilà, on bénit le Seigneur pour l'œuvre qu'il fait. Et comme je disais aussi, on a eu des cas de maladie. Donc je me suis un peu écarté parce qu'on respecte aussi le dossier médical de chacun. Mais on a eu globalement quelques cas de VIH, on a eu des cas d'hépatite aussi qui doivent être pris en charge rapidement et on a eu quelques blessures chroniques, des plaies, voilà, dont qu'on va traiter et voilà, donc c'est tout un travail. Il y a aussi énormément de cas, beaucoup de cas de drépanocytose. Voilà, donc par la grâce du Seigneur, le Seigneur nous aide à prendre soin d'eux. C'était une petite vidéo, donc c'était la suite. Donc nous sommes maintenant à l'espace, on va faire quelques activités, partager la parole aussi, avoir un temps de questions-réponses. Et puis voilà, on bénit le Seigneur, que toute la gloire lui revienne. Que le Seigneur se souvienne de tous les frères qui soutiennent cette œuvre dans la prière. Par toutes sortes de moyens et voilà, nous sommes dans la joie, nous sommes dans la joie et que toute la gloire lui revienne. Bon, et bien aimé, c'était un bonsoir de la Côte d'Ivoire avec les enfants de la rue qui sont maintenant sortis de la rue. Donc on va continuer le travail parce qu'il y en a d'autres qui sont restés dans la rue. Au début, ils ne croyaient pas. Donc ils nous regardaient de loin et quand ils ont vu d'autres sortir de la rue comme ça, ils nous ont supplié de revenir les voir pour leur partager l'évangile. Donc voilà, que toute la gloire revienne au Seigneur. Soyons encouragés. À bientôt. Shalom. On va arrêter direct. À bientôt. Au revoir.